Bonjour, bonsoir, amis founijé, yon l'autre fois, journée jodi an, nou entre la kao, nou pote pou kek informasyon ki fek tombe la. Gwo point kap domine aktualite a ke nou pral devlope nan edisyon nouvel sa. Eh bien, Joseph Félix Badjo ki li menm se ou nan principal suspek nan ansasinay prezident Jovenel Moïse ki jiska prezant an kaval. Monsieur la, li ta preske an bakod rete branche ou pral konen pou ki sa. Et choléra rivé dans Saint-Domingue officiellement yo joine premier cas choléra dans Saint-Domingue journée aujourd'hui nous pourrons venir avec quelques détails pour tout à l'heure comme ça et puis nous pourrons venir avec réponse que Gary Pierre Paul Charles lui-même li voye bay Badjo la officiellement sous question de sommation ça que nous connaît et Félix Badjo li voye bay plusieurs journalistes et puis Pierre Espérance si gen tan tout dans édition nouvelle ça. Nous allons suivre une déclaration de ancien sénateur Yuri Latortue qui lui-même tape fait des déclarations sur l'équipement qui est entré. Il y a un pile d'autres qui manifestaient selon Yuri Latortue, l'équipement ça a eu problème et il parle tout sur l'autre dossier, tant que dossier, intervention militaire qui a eu pour faire. Dans le pays d'Haïti, il parle tout sous dossier, révélation qui était faite, qui t'a fait croire que il y a environ 60% policiers qui gagnaient des lien avec gang dans pays d'Haïti. Restez branché ou pas gain développement toute information ça au tard le concert. Merci infiniment pour ceux qui t'en branché ou qui t'en quitté un like ou qui t'en partagé et ou qui t'en quitté un commentaire. Si vous faites atterrir sous channel là, pas hésiter abonner kounya la même et puis activer petite cloche notification yo. Pas oublier dire nous tout qui côté ou approcher voir nous et puis n'a bon gros coup de chapeau pour dans prochaine vidéo. Nous merci ou même qui va regarder vidéo ça du commencement à la fin qui prend like, qui prend commenter, qui prend partager. Sans pas perdre du temps. N'a pas très directement dans développement information nous parti. Avant nous aller expliquer aux mesdames et messieurs qui ça qui fait que yo pas loin arrêté tout ça que vous regardez dans image là monsieur qui c'est un nèg qui toujours kembe actualité a depuis qu'on parler de assassinat du président Jovenel Moïse une première figure que ouais c'est tout ça qui nan marron jusqu'à présent que poko jam ka posé la patte sous lit malgré selon information qui était disponible eh bien monsieur t'ai rencontré plusieurs fois avec premier ministre actuel pays a eh bien jusqu'à présent yo poko capable poser la patte sous monsieur jusqu'à ce que monsieur la li arrivé gagne assez de confortabilité côté que li trouvé li a pour li arriver sommet voyez papier timbré by plusieurs personnalités dans pays a nous pas venir sous dossier ça mais juste avant on nous dire que et ministère santé publique dans République dominicaine yo confirmé la premier cas de choléra. Eh bien cas ça c'est une haïtienne, c'est une dame qui a 31 l'année qui était entrée en République dominicaine le 17 octobre passé. Eh bien dame ça elle était sortie Port-au-Prince elle était atterri dans province Altagracia dans zone S République dominicaine patient il était commencé avec symptômes typiques choléra yo ta kou diarrhée vomissement et la trier eh bien yoté rapidement là metteli sous traitement dans l'hôpital Nuestra Señora Altagracia dans ville Higüé en République dominicaine et puis rapidement là République dominicaine yo activé la vigilance épidémiologique yo getan et chercher tout le monde qui était en contact avec patient ça pour capable contrôler épidémie ça qui à peine entré en République dominicaine. Dossier Joseph Félix Badjo, mesdames et messieurs, il y a un avocat qui est très influent dans le pays qui a intervenu aujourd'hui sur antenne radio éclair. Eh bien, selon déclaration, li, nous capables de croire que tôt ou tard, il y aura arrivé là sous trace Joseph Félix Badjo. Nous suivions extrait, nous tourné tout de suite. Et tout de suite, nous allons laguer pour réponse Gary Pierre Paul Charles, l'étape voué by et Joseph Félix Badjo dans même dossier ça. Et si bien tantôt, n'a pas suivre Yuri Latortue qui t'a exposé des doutes que lui-même li gen sur équipement qui débarquait dans pays d'Haïti samedi dernier qui sorti dans pays Canada. Il était parlé tout sur question intervention militaire qui t'a rien pour faire dans jour qui vient là dans pays d'Haïti. On nous suivre et puis n'a tourner tout de suite. Très bien. Salut tout. Bon, regardez, moi il est là dans l'émission. C'est parce que moi ouais pays a tout non jeu. Yeah. Moi même comme homme de loi qui sacrifiait vim pour le pays, pour étudier,
pour me vin avocat pour me payer ça côté m'a exercé droit là dans tout nos junk. Pour qui ça me dit ça? Moi senti moi révolté, indigné et m'a plan son message avec la police à la justice pour responsabilité. Côté que yon nek yon cité non nan assassiné yon président de la République, même si m'te gen tout problème avec yon nek. Mais le yon dit son nek que le Félix Joseph Badio, d'après la police, d'après FBI, d'après DCPJ, rapport DCPJ, monsieur ça c'est lui même yon nan moun même qui fait tout bagay pour assassiner le président. Kounya la, des citoyens honnêtes en do pays, des journalistes expérimentés en do pays, qui ont fait analyse des crimes odieux ça, pour voyou ça, Félix Badio, pensez, pas qu'on est qui, pas quel artifice, pour le voyer papier, bye, citoyen ça. Nous comprenons qui ça nous voit là. Ça veut dire la vie nous connaît en jeu. La vie est ses anges. La vie bien espérance en jeu. La vie gagne bien pour Charles en jeu. La vie tout le monde monsieur veut pas bien jeu. Parce que si nous disons là, Esaïe pas de sécurité. Louko pas de sécurité. Gagne bien pour Charles pas de sécurité. Bien espérance pas de sécurité. On se président qui dégage tout le monde qui a sécurisé, monsieur Saoka Tselik, assassiné la vie de nous même, c'est pas besoin de nous. Monsieur, c'est comme si nous mélangeons bon nous. Mais qui est-ce qui cause tout le bagage ça? C'est parce que la police, en Haïti, pas fait travail. DCPJ, pas fait travail. Si DCPJ t'a fait travail, monsieur, t'as peut-être un côté pour la réfléchir. C'est pas mon honnête, crédible, dans le pays pour monsieur attaquer. Osez-le, fréquent qu'il y ait pour la préparer. Moi-même, je dis DCPJ. Pays en état libre là, sont insultes pour la police. Sont insultes pour les citoyens de pays, sont insultes pour tout le monde qui va fondre dans le pays pour sacrifier là. Si des CPJ qui sont là dans le vrai, ils ont quitté semaine, ça, week-end, ça passé. Ils n'ont pas marré, c'est le Joseph Badio. Mon cher, tout le monde a quitté le pays, a dit des CPJ, ils remettent le pays. Parce que ça a fait la grave. Et ça grave là, je vais te dire, et UCA qui dit que piège, etc. Il y a une question pour répondre de CPJ. Moi-même, je ne suis pas dans ça, moi-même. C'est clair. Parce que, officier ministériel, là. Ainsi que l'avocat. Bien sûr, comme non, monsieur Soumafia, il n'y a pas d'avocat, non? Claire. Il dit que c'est le constitué pour être lui. Ouais. Mais, il y a lui-même, là, dit qui est avocat, comme je l'ai dit, avocat. Qui est avocat qui est balil? Ouais. Parce que, avocat qui est balil, si c'est avocat qui est balil, c'est avoué. Papier, Emile Duc. Il y a des difficultés, monsieur. Emile Duc, clair. Bao, quoi de bouquet? Emile Duc. Alors, dire, pour dire qui compte, monsieur, et ma mère, je vais siéger dans le cabinet, mettre pas le vin. Mettre pas le vin. Voilà. Je vais demander avec Bao, quoi de bouquet, qui sont gros, Bao. Même qui des amis qui n'ont conseillé de l'autre là. Parce que Adrias, Adrias Limete, c'est Adrias Bao, quoi de bouquet. Elle dit que Bao, quoi de bouquet, il faut le président de l'habitude sans ça. Voilà. Faut Bao, d'abord, pour image avocat, pour image Bao, yon nèg de CBG à chercher, yon nèg. Il a dit faire crime. Tout le monde l'en connaît, monsieur, sous quoi criminel d'après rapport de CPJ. Pour monsieur, adresse au barreau, dit qu'on s'en va au coin des bouquets. Faut que barreau soit sur notre tapis. C'est clair, c'est clair. Si barreau, c'est clair. Tellement pas complice. Faut que barreau rapide ta résolution. Pour on l'a dit, monsieur, si t'as un barreau. C'est clair. Parce que, je dis à là, un du criminel caché. Parce que, mais Caleb. Si oui. Si yon nan nous t'a décidé de répondre aux mentions, c'est là-bas on a voué. Parce que c'est adresse voilà. Barre bail. Eh bien voilà, mais c'est correct. Un Eli domicile. Oui. Si l'Eli domicile là, c'est Barwa même qui c'est là pour correct. Mettre du papier. Correct. Eh bien, Barwa lui-même, qui c'est une personne morale. Barwa lui-même qui dit les avocats dignes. Qui est Barwa de billets, pas que tu es sorti une note pour le coup de bagaille ça. Pour vraiment tirer col là, non, ça, monsieur, fait à côté de l'issa, l'image, on va voir comme ça. Moi-même, forme clair avec la population haïtienne, non. Forme clair pour me dire, Joseph Félix Badio, ou à mon saïwa, c'est mon pays, on est en face, ouais.
on fait le avocat. Parce que yon crime comme ça qui fait l'on est à yon côté, yon dit même président la car yon assassin ou vine parler force sur moun là. Qui ça l'image tout son pays, toute mon nation? Si t'es un crime de mort, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le crime de mort, prépare de mort, je vais le faire de mort, je vais le faire. Bam! Les ça sont pas nous, aboli crime de peine de mort. Qui vient de me dire ça, mais qu'on y a? Pour monsieur fréquent, Ozel, là, je vais me frémir, me trembler. Je me demande, est-ce que c'est vrai? Je me demande avec UCA, rapide, pressé, pressé, pour le rendre tête dans le DCPJ. Eh bien. Pour la vraie explication. Eh bien. Si UCA va faire, DCPJ ou même. Comme entité qui là, il faut que rapide nous convoquer UCA. Avocat de l'Eladou. Avocat de l'Eladou. Avocat de l'Eladou. Parce que si UCA il va faire, UCA complice. Et puis, M. Caleb, c'est avocat que mettre l'île. C'est avocat que mettre l'île. M. Emile Edwidge. Ok? Mais maintenant il est pour dire que Joseph Félix va jouer. Parce que un avocat va accomplir son on est à chercher. Un avocat va prendre il a pensé à chercher là, il s'est cherché pour c'est elle. Dès vous qu'on y a là, avocat il écrit pour avoir à disposition de DCPJ pour qu'on y ait qui va me tuer. Parce que il peut me mettre dans le sentiment à bail ça. Eh bien, c'est eux. Pour qu'on doit me tuer parce que. Bon mouto tellement va la gè koke la dan. Si ou avocat ko si tu bonèk, pour qui ça ou a caché et puis ou pas maintenant. Alors avocat pas considéré pour monsieur non? Illégal, et monsieur avocat tête li. Qui va gagner pour avec éthique, pour avec déontologie, faut ba ou a sanctionner monsieur tout. Parce que soumet Ariel Barwa, si Barwa pas complice, pas parler avec Patonier Sosten. M'a parler avec Zamim, frère camarade de promotion, maître Oubi NS, un jeune garçon bien compétent qui se secrétaire Barwa. Je parle avec maître Trésorier Yari, maître Lio, comme je connais Silvakoui qui te paye. Je parle avec tout le monde, je parle avec Bekin qui le conseille, je parle avec tout le monde qui le conseille. Pas encore d'avocat qui s'est honnête. Félix Badio, c'est mon Barwa. Mon Barwa. Mon Barwa. Rapidement. Faut retirer quoi yo nan bagage ça me retirer quoi yo pour baro a pas sale pour sortir une note c'est demande public ça me fait pour dire monsieur pas ca éli domicile nan baro parce que non crime haut dieu comme ça il y a pas de monsieur autorisation pas droit faire et faut rapidement yo pour résolution pour radier monsieur nan baro parce que ça va faire image avocat on image avocat pour dire que avocat tout est président avocat participer notre président. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Pas possible. Pour finir, monsieur Louko Désir, journaliste PIA, qui a parlé de conviction pour changement. Il faut que conviction pour y changer. Et ça, c'est un journaliste expérimenté. Depuis Pierre-Baptiste Tatou, Jojo Lexidor, tout fanatique, Mathilde Bayo, m'a dit, nous pas qu'à intimider pour un criminel. Nous pas qu'à payer un criminel, nous pas qu'à je me fais bac pour un criminel, il est accusé d'après rapport de CPJ. M'a dit avec Gary de Bachol, pas qu'à intimider, bien sûr, soit qu'à intimider pour vieux marabout pour criminel. M'a dit, si, bah on croit des bouquets. Pour me finir, t'as pris responsabilité. Contre avocat ça, qui remet acte avec huissier, si huissier ça, par un tête lui de CPJ, pour une explication, côté au juin, quand elle t'a rencontré avec Joseph Félix Badjo, qui a dit à chercher pour me venir, moi-même, je vais le faire. Je vais le prendre pour des complices, pour des gens qui ont serré Joseph Félix Badjo, comme Mounio dit, qui a assassiné le président. Merci un peu, le bataille peuple a continué. Pas pour une paire criminel, criminel était criminel. Joseph Félix Badjo fait pas de dignité devant le monde entier, d'après sa rapport de CPJ, il ne va pas parler sur vous. Merci un peu, le bataille. Un de l'assassinat du président. Je vais venir sur ça pour nous. Mais quand Badjo a envoyé ce papier à Scoop, à Gary Pierre-Paul, à Louko Désir, à Esaü et à Pierre Espérance, quelle est la valeur juridique de cet exploit ou de ce document? C'est cette question que nous devons poser nous. Quelle est la valeur juridique de ce document? Je réponds.
ce document a très peu de valeur juridique. Val. Et je dirais, aucune valeur. Sous moi bien, parce que tu n'as pas la bonne sous moi bien. Document n'a pas aucune valeur juridique. Rien du tout, pas gagné pour la justice du tout. L'action en diffamation pour un dossier pénal, les subsidiaires par rapport au dossier principal. Ça veut dire, bah, tu as gagné déjà une action qui est tentée contre lui, dans le dossier assassinat. Dossier diffamation, hein? C'est pas lui qui est prééminence, c'est là où il fait dossier assassinat. C'est là ça il va regarder pour voir si c'est vrai, qui est diffamation ou pas. Donc, c'est pas un acte juridique que lui. Cela veut dire en clair, la déclaration faite dans la presse sur Jovenel Moïse, pas de monde qui est au courant si c'est diffamation ou pas. Donc, dossier nul. Seul jeu pour qu'on si dossier Badjoa important, vrai, faut que le procès qui fait, et c'est après procès. Je dis Badjoa pas impliqué, et c'est à partir de ce moment que le juge correctionnel là, il est capable d'intervenir sur lui. Mais entre temps, pour question qui a rapport avec diffamation, le juge correctionnel là, il a suspendu l'audition à faire rapide. Jusqu'à faire procès, et c'est après procès, là, capable de faire attaque en diffamation. Donc, dossier n'a pas de valeur juridique. Question 2. Si sur le plan juridique, le dossier de Badjoa n'a pas de grande valeur, donc Badjoa est à la recherche d'un autre résultat. Si l'homme n'a pas de Badjoa, ça c'est. Son action, donc, a un caractère purement politique. Voyons maintenant ce qui se passe sur le plan politique avec Badjoa. Parce que juridiquement, ça ne tient pas debout. Dans l'enquête menée par la DCPJ relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse, dans la page 118, qu'on y a ma réponse, Badjoa. Il a écrit, et m'a dit Badjoa, m'a cité pour lui. Quand du nom de Félix Badjoa, il est considéré comme étant l'un des cerveaux de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Selon l'information de CPJ Gaye, et Badjoa, c'est lui qui a coordonné sur le terrain l'assassinat du président. Badjoa, je cite, sur existe toujours. Allons dossier à regarder pour eux. Et on continue toujours, non pas sans dire ça. Il dit un mandat d'amené a été émis contre certains suspects, dont Félix Badjoa. Mais bagay là. Ils ont relevé également que Félix Badjoa t'a parlé à le premier ministre en téléphone. Dans le rapport. C'est là qu'on allait. Dans le rapport. Et quelques heures après l'assassinat, tu as un CSPN spécial sous question ça. Claude Dega témoigne de ça. Parce que moi-même, vous connaissez mon dossier à bien. Et ils ont cité non Badjoa comme suspect numéro 1. Et c'est Badjoa, selon CSPN qui t'a fait là, qui t'a fait le lien entre les grosses légumes, c'est-à-dire les gens qui t'a financé l'assassinat, et ceux qui allaient exécuter œuvre sale ça, qui c'est assassinat Jovenel Moïse. Donc, c'est-à-dire. Cible Badjoa, lui pas aller sur le plan juridique, il aller sur le plan politique plutôt. Donc, Badjoa est considéré comme la personnalité centrale, criminant. Et c'est l'appel de Badjoa à Ariel qui a jeté la suspicion sur le même. C'est téléphone ça m'a encore joint qui mettait Ariel en difficulté, qui dit Ariel la donne. Sinon, pas de monde qui t'a parlé de Ariel du tout. Le numéro de téléphone ça, Kounia, nous pas regarder pour nous. Acte Badjoa. C'est une attaque contre la liberté de la presse.
son attaque en règle contre nous-mêmes parce que Pierre a parlé tout, Pierre a agi, Esaü a cloué a agi, et moi-même a agi, n'a pas parlé. Il tentait pour le fermer bouche nous. Bah Dieu peine perdue, seule la mort, comme disait le consommateur, seule la mort. Ou pas qu'à fermer bouche nous. L'un mourit, l'autre n'a pas parlé, va la campagne a parlé, ma quoi parlé, etc. Moi n'a pas parlé. Donc, nous déduit. Action Badjoa li visé directement Ariel. Parce que qui ça, monsieur, voulait faire? Monsieur voulait attaquer nous pour diffamation. Et puis, comme nous tous connaissons que lié avec Ariel n'était pas la belle, il faut attaquer le pouvoir. C'est attaquer pour attaquer Ariel. Donc, attaque, bah, ça se fait, son action pour affaiblir Ariel dans l'opinion. S'il fait pour affaiblir Ariel dans l'opinion, donc, Badjo a un problème avec Ariel. Que la prison. Parce que, hein, comme si tout le monde sait que Louko Désir, c'est quelqu'un qui a lancé la mobilisation anti-Ariel à la radio. Louko dit des bagailles comme leader politique, comme candidat à la présidence. Le débat avec lui dit, bon, le comprend responsabilité. Mais je dis, il faut qu'Ariel aille. Où n'est-ce qui dit, il faut qu'Ariel aille? Qui dit, tout écoute ça, comme on attendait, etc. Et puis, qu'on y a, où attaquer? C'est du deal. Continuez, mandez débat Ariel. Eh bien, il faut passer, moi. Attention. On gagne plus tactique, politicienne, passer. Non, il fait un montage. Mais on va appuyer, on va lire dans l'être fin basse. Pour voir craser Ariel. Ou mander Esaü César, craser. Parce que Louko, Esaü, Pierre Espérance, GPPC, nous pas dans la logique assassinat. Même nous-mêmes. Même si Pierre était contre Jovenel, mais Pierre mandait au série de bagages pour Jovenel. Donc, monsieur choisit les personnalités clés pour le faire question sommation hein, pour nous pour le porter nous à craser Ariel. Donc, nous comprenons ça. Mais nous continuons à parler, vous me dites. Ariel et Badjo, pas le tableau politique la même. Pas qu'il y ait qu'il y ait qu'il y parler de Badjo. Même le juge d'instruction, comme si dossier a mouru. Si dossier a mouru, et que Badjo en accord de sainteté avec Ariel, l'hypop vient à sa Kounia. Il y a une logique. L'hypop évoquer le Kounia. L'abtenons l'autre moment peut-être. Mais ça qu'il fallait évoquer, ça veut dire, il y a un point sur lequel ils ne sont pas d'accord. Il y a un problème entre Ariel, Badjo, ou bien un gouvernement avec Badjo. En plus, ben, va aller. Par cette action, Badjo m'a dit, il faut que vous glissez le dossier de l'assassinat du président sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque la Chine l'avait évoqué. La Chine t'a dit clairement son gouvernement illégitime, donc il participait dans le paquet de bagages. Là, on fait ça. Monsieur tout mandé, vina ça sous table à tout. Il m'a déglissé le document ça sous table à tout. Donc, tout laisse quoi, tout bail montrer clairement que gros problème entre Badjo avec Ariel. La sommation est un prétexte. Depuis ce bas, Dieu fait le vrai, c'est que gros problème. Donc, ce n'est pas Dieu en personne qui met le dossier à deux. Ce n'est pas Macron non, qui vient dans le dossier. Ce n'est pas Val qui vient dans le dossier. Ce n'est pas Louko Esaü César qui vient dans le dossier. Ce n'est pas Dieu même qui vient avec lui. Donc, le gouvernement, les membres de l'opposition qui sont actuellement au pouvoir, le PM Ariel Henry, est-ce que vous trahissez Badjo?
Est-ce que vous trahi Badjo? Qui fait Badjo à mettre bâton dans le monde? Il y a un problème que vous résoudre toi-même. C'est pour nous comprendre ça. Donc, il faut comprendre que Badjo serait a priori trahi par ses partisans. Donc, la bataille Mayon, fort de la presse. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas analysé, je ne dois analyser. Mes dossiers à tous sont mis en garde. À Ariel, dans un premier temps. Je dis attention, Ariel. Attention. M'la. Concernant le monde qui compte dit que Ariel qu'on rencontre Badjo, la CA, etc., etc., etc. Si Badjo fait ça, donc, on peut couper. Parce que Badjo peut le mettre en difficulté, là, il fait ça. Donc, on peut couper. Tout le monde a montré que c'est un problème avec Badjo. Deuxièmement, comme Badjo somme GPPC, Zahir, Louko et Pierre Espérance, il vient dire tout le monde. Je viens dire, attendez-nous. L'autre aspect de question, hein? Attendez un petit monsieur. M'attaquez-nous parce que c'est moi qui n'ai pas sous moi. L'autre angle de la question. Et moi qui n'ai pas sous moi. Même si ça, monsieur, se dit, était évoqué, n'a pas papier là, ça va gagner un boulot avec moi. Ouais. Mais un message en filigrane, monsieur, vous le faire passer. Sous moi, oui. Deuxième aspect de question. Hein? Monsieur, vous dit que pas gagner un boulot d'assassinat. On se dit, menti. Par où cochon, l'État vous dit tout. L'obsession, Jean, pour vous blanchir. Pour vous dire Ariel Baladon, cela pourrait être capable d'interpréter comme un complot entre Badjo et Ariel. Ou par contre, qui instance judiciaire et qui structure mettait pour suite ça qui va le passer. Donc, on est capable d'interpréter comme un coup politique. Mais on doit rester véatif parce que Jovenel n'a pas mourir comme ça. Attention. Troisième aspect de la question, est-ce qu'on n'essaie pas de détourner l'attention du peuple haïtien sur l'arrivée des forces étrangères? C'est mon bail à Bangame. Dossier ça tue dossier Mika automatiquement. Il tue dossier gaz là. Même là, automatiquement, il tue dans la vie chère, même si il arrête de nous. A fait l'école là, et puis on va nous marrer. Et puis tu as l'entendu hélicoptère dans tout le bas. Donc, nous demandons des peuples pour le vigilant. Sous acte de sommation, ça, sous sommation, ça fait là. Ce n'est pas objectif. Première qui s'est attaqué Pierre, Esaü, Louko Agaï, Gombaga est caché. Nous n'avons pas évoqué ça, et puis, il y a un autre bagage qui peut arriver. Est-ce que document ça pas dit à l'étranger, attention, hein, cet homme qui est au pouvoir est un assassin. Donc, le monsieur mandé pour l'étranger venir, pas occupé, monsieur pas venir. C'est le message. Parce qu'on connaît depuis nous qu'on parlait, depuis nous parler. Depuis Pierre Palais qui gagne des pénétrations au niveau international, bien on va beaucoup voir de ça, depuis nous parler. Il faut interroger tout le net. En plus, le bas est montré là, à partir de ça, que Ariel est capable de difficulté. Tenez-nous. Si pendant ça fait d'ailleurs attaquer physiquement, Pierre. Si pendant ça fait ta attaqué physiquement Esaü, si pendant ça fait ta et attaqué Louko ou bien attaqué physiquement, ou quoi qu'on dit que tu vas le passer? Est-ce que pas un assassinat spectaculaire qui va le faire dans le pays? Côté, qu'est-ce qu'on va sacrifier nous aujourd'hui là? Il a dit, bah Dieu, fait par ricochet, il a dit, c'est Ariel Henry. Donc, il y a une implication politique qui a mis nous dans une situation chaotique.
qui a fait blanc vin plus vite. Attention! Parce que on a toujours dit que Badjo a le bras long. Si monsieur a participé dans haut niveau ça, dans l'assassinat président, c'est pas moi même qui derrière au micro, qui a parlé après-midi pour ne pas prendre un poule. Donc, société a, si ça arrivait, a pris un arrière responsable. Ça capable d'actionner la situation chaotique là. Et force solliciter à, il a plus vite. Donc, les politiques doivent être lucides. Et pour finir, ma baye louko désir avec Esaü ou information. Que deux zélés en deux gouvernements. Qui mandait à l'autorité en place yo, pour nous fermer Radio Téléclair et fermer Radio Zénith. Chalmas à la côté de cause, papa. Chalmas. Vous avez dit une diffamation? Monsieur dit une diffamation? M'a dit qui est-ce? Et pour à la justice avec nous. Vous avez fermé la zone de l'éclair. Parce que le coup a parlé trop. Et vous me souriez tristement. Les bonnes nouvelles là. Vous avez essayé de s'en faire une semaine. Et dans le cas, Ariel pas de courant. Il a répondu, quelle est cette affaire? Zélé autour de Ariel qui m'a dit ça. Fermez la zone de l'éclair, fermez la zone Zénith. Nous m'avons fermé. Nous m'avons fermé. Et vous avez dit fermé la zone Caraïbe, vous avez dit ça qui a passé. Nous avons tout dit non, nous là. Nous avons tout dit non. Nous tous les deux. Puisque nous avons un gouvernement déjà, comme ministre. Je voulais faire parler sous en déclaration que Père Maisonneuve a fait qui est dans Sainte-Calle-l'Évêque sous question police là. Moi, je pense que Père Maisonneuve est un monde et qui a travaillé longtemps dans la question du droit de l'homme, qui est extrêmement important de rapport à qu'on fait. Mais je voulais, pour ton petit correction, non pas que le dit. Parce qu'il y a l'autre monde qui a utilisé la déclaration ça. Côté que le dit, il y a 40 à 60% de policiers qui n'ont pas un achat qui n'ont gang. Moi, je pense que donner ça à fausse, nous n'avons pas du tout 40 à 60% de policiers qui n'ont gang. Il y a des policiers qui n'ont gang. Mais ce n'est pas chiffre ça. Et le chiffre ça apparaît dans le moment ça, il y a un peu de monde qui a utiliser contre la police là. D'ailleurs, m'a dit nous, dans l'effectif la police là, dans l'ouest là, il y a 40% de policiers en total qui dans l'ouest là. Et dans 40% de policiers, il y a 30% qui dans zone métropolitaine là et il y a reste là qui dans département l'ouest là. Ça environ 30% qui dans zone métropolitaine là. Ça veut dire problème majeur de gang là c'est dans zone métropolitaine là. Donc, s'il y a 30% de policiers qui sont dans la zone ça, sur l'effectif total là, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas qu'à gagner 60% de policiers dans la gang. Et ça qui est dans la zone métropolitaine, ce n'est pas tout qui est dans la gang et un bon bâti pas dans la gang. Donc, leur dit ça, l'information ça a de yon, et dans le moment qu'il y a parlé de police, de l'armée, de force publique, non, ça a une bonne impression que eh bien, la police là est irrécupérable. Non. Donné à pas bon, moi te voulais moi-même corriger, gagner des gens qui étaient intervenus sur ça. Parce que moi rappelais, et les gens qui ont parlé devant nous là, c'est un militaire qui était là en 1994. Qui ça a été dit en 1994, c'est que l'armée aller. Il a été dit que l'armée budgétivore, là ça n'a pas de question de gang,
Mais on te dit l'armée budgétivore. C'est-à-dire que l'armée a un budget de 30 à 40% de budget national là. Et que si on retire l'armée comme ça, on va le servir dans le social. Et pourtant, le budget de l'armée en 1994, c'était 240 millions de gourdes. Il n'y a pas même 5% de budget national là. Et l'armée te joue rôle et l'armée et la police. Donc nous te voyons que pas de rien qui te fait que l'armée budgétivore. Mais vous avez vu Navel, et en 1994, vous avez appuyé sur ça pour vous avez jeté de l'eau à tout bébé. Ça veut dire que vous avez retiré force publique noire et puis vous avez mis à un lot disant que vous allez sauver Haïti et nous avons sacrifié là, je dis. Donc toujours il y a des thèses que vous utilisez dans le mouvement ça. Hein? Soit en 1994, la baby budgétivo, puis vous avez l'aller. Soit qu'on y a eu 40 à 60% dans la gang. C'est pas vrai. Moi, je pense que nous avons reproché la police là, en ville. Mais il y a des travaux qui sont faits. Moi, je pense que moi, je parle de policiers qui sont présents. L'un a dans l'inspection générale, nous avons au moins 6 000 chèques que la police retourne, qui équivalent à environ 110 millions de gouttes. Chèques que les policiers qui parlent là. Et comme ça, retourner dans le budget de la police. Et nous te reconnaître, il y a cela un mois que la police, tu as des saisies d'armes qui t'ont fait, tu as des chefs de gang qui t'ont arrêté. Justement, il n'y a pas de matériel nécessaire pour te continuer. Et nous retrouver dans une situation que, encore une fois, il y a acculé parce qu'il n'y a pas joué de matériel. Ça yo. Mais nous reconnaître, il y a un pile officier de la police là, qui a une bonne volonté. Et il n'y a pas clair faire du tout. Pour qu'il y ait acculé une institution qui lui-même a des efforts qu'il a fait et nous pas tolérer qu'aucune assistance, aucune forme d'intervention vienne pour renvoyer l'institution force publique par nous. Que ce soit la police, que ce soit l'armée. Ça nous dit en 1994 là, nous pas d'accord parce que. Ça n'a pas subi, je dis, à l'issoti dans la mauvaise décision 94, côté où tu renvoyé l'armée au complet, et bon, la police qui vit sans archives, sans méthode de ça qui était bonne fête, et qui retrouve dans le tissoulier pendant 20 ans, force internationale à accompagné, et là, il vient la guerre pour contre lui, il vient paraître justement incapable, alors que, en pile, il y a une bonne volonté. Donc, moi, je voulais. Éclaircir question ça. Même si je m'a parlé de matériel qui vient. Moi trouvé que question matériel ça j'ai abjuré là li inapproprié et j'ai abjuré là yo mettez la police là encore dans petit soulier pour que encore une fois on ca montrer qu'il est capable et favoriser justement des troupes venir. Nous dit déjà nous pouvons assistance technique à l'institution policière. Nous pouvons assistance technique à l'armée. Mais non, pas pour intervention. Parce que l'intervention, elle a résolu ce problème-là de courte durée. Et après, nous avons recommencé, même gens encore, nous avons renvoyé la crise-là. Parce que leur force d'intervention est allée. Pas gagner aucune force nationale qui a pris la relève. Donc c'est pour être ça, nous pouvons une assistance technique à l'armée et à la police. Mais ça qui arrive dans la gestion matérielle, il faut que les Haïtiens connaissent, j'ai abjuré là, c'est que vous yo mettez dans une situation pour dire que la police n'est pas bon, n'est pas capable. Et malheureusement, citoyens qui chaque jour pas qu'à sortir, citoyens qui chaque jour a kidnappé, le retrouver dans une situation ça, l'a vraiment dit, eh bien, piton l'autre monde vini. Mais il faut nous qu'on vérité. On nous garde nos bagages, monsieur. Yo commandé 18 blindés MRAP qui meilleur que ça qui vient là. Et vous devez livrer au mois d'août. Je dis à vous dit que vous avez un avion militaire qui a fait transport pour nous. Bon, n'apprécie ça. Parce que transport de matériel, vous avez coûté nous encore. Mais monsieur, après 2 mois que vous devez livrer matériel, c'est 3, oui, MRAP, vous avez 3. C'est 3. 3 seulement. Et ça, yo, ba nou, yo va finir complet.
radiateur va protéger. Il y a un pile bail qui va protéger la donne. Même comme 9 mm, il est obligé de faire un travail ici. Alors que, depuis le commandé, il connaît qui va venir. Il est obligé de venir avec les gens qui font travail ça ici, son temps perdu. Pendant ce temps, gang a avancé sur nous. Pour qui sa gestion ça? L'autre machine yon entre yon, l'autre sa nou ek vin yon, c'était deux qui te commandé depuis Léon Charles. Hein? Bon, ça ou c'est bail de transport de troupes, nous connaît yon limité. Gen yon qui vola à gauche, m'a kon si yon banoun, parce que moi même pas gen la donne. Et puis yon machine qui entre pour un souteur ka vin yon, yon même pour yon ka oule le yon vin. Non, situation d'urgence, côté nous tende ambassadeur Canada dit son question d'heure. Parce que les gens qui mourent, ils ont bien distribué les questions pour choléra. Et puis, pour au moins ça nous commander, ils n'ont pas gâté un livre, non, alors que depuis août, ils ont été banon. Ça veut dire que nous avons une situation, côté que tout un pays est bloqué, il y a un droit contre, c'est qu'on a essayé de protéger le radiateur, qu'on a essayé de protéger l'autre bagaille, et puis il y a 15 lots que nous avons mis en vide. Parce qu'il faut au final ranger ça pour y adapter pour y regarder encore non situation urgente. Toute situation ça pour moi penser sincèrement c'est des situations pour acculer force publique nous pour montrer que nous incapables et puis le ça intervention c'est seul sauveur voyou. Alors que si on te ba nous matériel yo au moment opportun on assistance technique à la police. On assistance technique à l'armée qui permet rapidement que nous attaquions les problèmes et nous résoudions. Quelle assistance que nous avons besoin là? Moi, je te dis déjà dans le plan de sécurité. La police a besoin que nous renforçions l'unité anti-gang. Le chef de police a limité UTAG, les unités tactiques anti-gang. Il était en déconseil à limiter. Mais l'unité, ça, il n'y a pas de matériel. Pas de matériel. Donc je dis à 18 matériels qui sont venus pour permettre que l'unité SAO mène plusieurs attaques sur le même front. Parce que y a des gens qui ont été formés là-dedans. Mais ils n'ont pas fait. Ils sont obligés d'attendre et d'attendre. La population n'a pas attendre. Assistance technique à l'armée. Nous avons besoin de renforcer l'unité engin Loulamea. D'ailleurs, comme je te dis, s'ils jouent deux chars d'assaut, un hélicoptère, la PCA supporte, la PCA résout le problème, là, la PCA aide la police. Pour qui ça assistance technique là va venir dans unité anti-gang de la police, unité en général l'armée et le SAA. Justement, propre policier nous, propre militaire yo assisté de experts yo t'ap livré marchandise là. D'ailleurs nous gardons bien je dis à ça privé. Nous grand pile jeunes qui pas travail. Yo justement dans quartier populaire yo. Et bien si je dis à t'a renforcer l'armée pour gagner 5-7 000 hommes. Et bien ces jeunes ça oui que t'a permettre qu'il y a le travail. Si je dis qu'on a renforcé la police, justement, pour que nous ne gagnions pas un policier pour 1000 habitants, parce que normal, là, c'est 2 à 3 policiers, eh bien, on a pris un jeune encore. Jeune, on a pris un espoir pour demain. Mais là, on vient bailler des soldats, on vient faire travail. On connaît chaque soldat, l'autre pays qui vient dans la force des Nations Unies, l'armée côté de sortir, il y a 3 000 dollars au bail. 3 000 dollars au bail. Eh bien, vous pensez pas qu'un jeune en Haïti, dans l'assistance technique là, il y a des gens qui ont formé 5 000 lèvres dans l'armée là, 5 000 dans la police, avec des matériels, et puis ils ont quitté nous résoudre le problème là. Donc nous disons attention à tout pays. Nous toujours disons l'aide doit nous aider à sortir de l'aide. Ça veut dire toujours dire à tout gros pays, qui dit que oui, Haïti a des problèmes, ils reconnaissent, bah nous, assistance technique ça, premièrement, bah nous, matériel que nous commandons. Hein? Deuxièmement, on assiste à une technique pour renforcer les unités anti-gang de la police et les unités d'engin lourd de l'armée qui permettent que nous résolvions ce problème-là. Et dans 3 à 6 mois, que les policiers, les militaires qui prennent la relève de l'assistance ça. Si aide n'a pas aidé nous à sortir de l'aide, aide n'a pas aidé nous à venir plus mal. Parce que là, tout ça va aller, nous allons retrouver nous 10 ans, 15 ans après encore, dans une situation beaucoup plus grave. Parce que là, ça, pas bien espoir pour les jeunes. Les jeunes, depuis qu'ils viennent, ils ne connaissent pas aucun côté qui ont allé en bête et travail, soit la police ou l'armée. Pas bien aucun espoir pour eux. Et là, ça, il y a plein de corps, justement,
eh bien, dans toutes sortes de gangs, et nous allons trouver beaucoup plus grave dans le problème ça. Donc, je dis, moi, je voulais dire que Canada, nous tendait que le pays a voulu prendre leadership force, mais en attendant, voyez 15 autres MRAP, munitions à tout, avec assistance technique, là, d'ailleurs, déjà, voyez machine pour instructeur, voyez, et puis moi, je pense que la police a même rété, justement, avant ces gangs, ça, que tout côté, pour Massin, Timakak, la ville, éviter l'autre, tout le monde est capable d'avancer. Je pense que nous sommes capables. Et je dis, si on fait ça, moi, je pense que il y a encore temps que nous avons avancé. Donc, au lieu que il y a plein sous son nous, bah nous matériel que nous-mêmes nous commandons, c'est pas et bah nous yon bon et du forme, pas bah nous yon pour y protéger radiateur, après c'est qu'on les boutons, non non, bah nous des matériels de 12 millions de dollars que nous commandons. Nous devons attirer attention justement sur une série de symboles que même si nous dans une situation difficile ça y est. Il y a normal pour nous regarder dans la télévision un soldat dominicain qui prend un drapeau haïtien devant des haïtiens qui sont incapables de se faire des et qui passer dans le papier. Là, ça fait qu'il faut que le ministère, que nous avons là, le ministre là, même si c'est de facto, que lui-même lui proteste et le mandé justement prendre des sanctions contre le soldat. Ça. Et parce bon civil qui fait. Et bon monde qui a manifesté qui fait. Son soldat qui fait. Son soldat de l'armée dominicaine. Et là, le fait là, nous va réagir. Premièrement, là-bas, on sentiment anti-haïtien qui a développé. Parce que c'est soldat qui fait. Et soldat, ça a rien d'amener sous frontière. Et de l'autre côté, haïtien va tolérer ça tout. Haïtien a fait le même geste là. Et là, ça a, on va avoir deux peuples qui étaient à vivre dans une situation normale, qui étaient à ouais, comment pour y rapprocher. Et puis, par une situation, justement, de discordance. Si on ne prend pas des mesures, justement, contre soldats, ça. Si de l'autre côté, il y a peu de pitoyens, il y a peu de diabète venus, parce que oui, il faut Haïti ranger, mais exemple, ça, il n'y a pas de tolérer. Quoi que nous connaissons, nous n'avons pas des amis, mais nous connaissons que nous avons des règles. Chaque pays sont acteurs de droit international public, et nous demandons, ministère haïtien affaires et ministère des Haïtiens à l'étranger, gouvernement, même si de facto, pour que vous protestez contre ça et vous punissez. Soldats qui en activité de service prennent de la peau noire et passent en papier. Voilà en gros deux thèmes que nous devons parler jeudi à sous question sécurité. Et nous, encore une fois, prions grâce que même avion ça canadien qui était venu avec toi, MRAPIO, que le venu avec l'autre 15 jours et que jeudi à en attendant que résolution l'autre bail a fait, nous commençons à prendre responsabilité nous. Parce que je dis, à, mieux vaut que nous renforcions l'institution, nous, que nous venions faire travail là pour nous, et puis après, nous quittons même. Voilà, mesdames et messieurs, c'était pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo, nous et moi, pile. Ciao, ciao, à la prochaine.